Bonjour, alors nous allons reprendre le cours de contrôle moteur. Nous en étions à l'invariant numéro 3 qui concernait la description de l'information utile pour réguler le mouvement. Donc je vous ai déjà donné dans un film préalable sur YouTube quelques éléments introductifs et nous allons passer à la suite. Nous allons approfondir un peu cette notion d'information. Donc, Ludovic Marin, au premier semestre, vous en a déjà parlé, cette idée que ce qui est important, ce sont les interactions entre perception et action. Et ceci se reflète en termes d'information. Donc, ce qui est à percevoir par l'individu pour accomplir de façon correcte et efficace ce qu'il veut accomplir, donc la tâche. Alors, dans cette diapo, la numéro 51, je vous ai passé ici. La première page d'un article publié en 1995 dans l'article dans le journal américain Science, donc c'est un très grand journal. Et les auteurs, donc Macbeth et collaborateurs, se sont intéressés à la façon dont les défenseurs, outfielders, en baseball, se débrouillaient pour courir, pour attraper les balles aériennes. How baseball outfielders determine where to run to catch fly balls. Où courir? Alors dans cet article, les auteurs expliquent, bon, mais voilà, il y a une balle aérienne qui a été tapée par le batteur et ils doivent courir pour défendre et essayer de la réceptionner. Donc vous connaissez ça, vous connaissez tous le baseball. La question qui se pose donc, c'est comment la personne régule son comportement, locomoteur, sa course, sa marche, dans quelle direction et à quelle vitesse je dois aller et pour combien de temps? Alors on se dit, la première chose que peut faire peut-être l'individu pour essayer de réguler son comportement, c'est percevoir la vitesse de la balle et son accélération. Donc la balle va plus ou moins vite. Et donc ceci est basé sur une analyse de ce qui se passe sur la rétine de l'œil. Et c'est ce qui est écrit dans le résumé, qui est écrit en gras en haut ici. Et on se demande si bien, il n'y a pas des variables optiques donc sur la rétine de l'œil qui permettent de réguler ce déplacement et notamment une accélération alors de la balle sur la rétine. Et si je suis capable de caler ma vitesse sur la vitesse de la balle, ça veut dire que je suis capable de caler mon accélération sur l'accélération de la balle et je serai capable, je vous fais, ça reste flou, hein, je rentre pas dans les détails, je serai capable d'atteindre la balle avant qu'elle touche le sol, donc d'intercepter la balle. Le problème, c'est que on sait que les êtres humains sont très mauvais pour percevoir des accélérations, est-ce qu'un objet va plus vite ou va moins vite? Un change de vitesse, donc c'est ça. L'accélération, vous le savez maintenant, c'est la variation de vitesse. Donc on est visuellement, on n'est pas doué pour percevoir ce genre de choses. Donc cette stratégie de perception de l'accélération, pour faire court, ne serait pas la bonne. Donc les baseballeurs ne pourraient pas faire ça. Donc ils choisiraient une autre stratégie. Et l'autre stratégie qui est défendue par ces auteurs et par d'autres auteurs aussi, c'est qu'en fait, il suffit de percevoir certains angles optiques, pas leur vitesse, ni leurs accélérations, ni les variations dans le temps donc de ces angles, mais juste des angles, et de maintenir ces angles, réguler sa course de manière à ce que ces angles entre, par exemple, la position du joueur et la position de la balle, et le sol ou autre chose, mais se débrouiller pour que réguler la vitesse de sa course de manière à ce que cet angle soit constant et ne change pas en fonction du temps. Ça, c'est un peu étonnant. Je n'ai pas besoin de gérer le temps, je n'ai pas besoin de gérer des dérivés. Il suffit d'avoir un angle, donc quelque chose qui est purement géométrique, et ça me permettra d'arriver au bon endroit au bon moment. Alors, c'est intéressant. Et ça pose le problème, ça pose la question de quelles sont les variables effectivement perçues et extraites par le système nerveux pour réguler le mouvement. Parmi toutes les variables possibles, il y en a certaines qui sont utilisées et d'autres qui ne sont pas utilisées. Donc, on reviendra sur cette notion. Mais d'abord, regardons cette diapo, donc la 52. Ici, de façon un peu provocatrice, je vous ai pris après le baseball l'exemple, c'est exactement le même problème, mais cette fois, il s'agit d'un animal, hein, de travail en éthologie, très délicat, publié là aussi dans un très grand journal qui s'appelle PLOS Biology, en 2006. Et là, l'idée, c'était, mais comment des chauves-souris qui ont des sens d'écholocation, donc un sonar, une espèce de sonar, peuvent intercepter des insectes de manière quasiment optimale avec une stratégie. Donc pour intercepter des proies.
Donc, allocating bats use a nearly optimal, time optimal strategy to intercept prey. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chauves-souris qui sont aveugles mais qui utilisent un système d'écholocation, donc elles envoient une onde et elles récupèrent l'écho de cette onde, echolocating, elles se localisent avec un écho, utilisent une stratégie pour intercepter des proies quasi optimales en termes de temps, c'est-à-dire qui permettent d'être très rapides. Alors les auteurs, ici l'équipe, ils ont étudié donc les trajectoires, comme on le voit sur cette figure ici, les trajectoires en trois dimensions, attention, de chauves-souris, et les trajectoires en trois dimensions d'insectes qui sont des proies. Et donc un système très sophistiqué. Le résultat, on le voit sur le diagramme de droite, ici, on voit en deux dimensions, pour simplifier, donc sur l'horizontale longueur-largeur, on voit une trajectoire ici d'un insecte, donc qui est la proie. On voit ici la trajectoire plus claire, en gris plus clair, de la chauve-souris. On voit le point de départ ici, les deux trajectoires. Le temps s'écoule, cette flèche nous donne l'indication de la vitesse et en quelle direction s'écoule le temps. Et ici, vous avez la capture, c'est-à-dire le moment et l'endroit dans l'espace, plutôt l'endroit dans l'espace, excusez-moi, pour lequel la chauve-souris a intercepté effectivement l'insecte. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'à chaque instant, ici, on a tracé un segment de droite entre la position de la chauve-souris et la position de l'insecte. Un peu plus tard, position de la chauve-souris, position de l'insecte. Donc, vous voyez, ces différents segments de droite, ici, représentent la distance radiale entre la chauve-souris et l'insecte. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, par rapport au bord de la figure, que ce segment de droite, à partir de ce moment-là, ici, là, moins 0,8 avant le T0 qui est noté, ici la convention, c'est le temps égal à 0, c'est le moment de l'interception, et puis ensuite on est revenu en arrière, et c'est comme ça que les auteurs ont choisi de représenter leurs données. Donc ici vous avez 1,8 seconde avant l'interception, 1,7, etc., 1,4, ici 0. Et ici, vous avez donc 0,8 secondes avant l'interception, 0,7, 0,6, on se rapproche de l'interception. Mais à partir de 0,8, qu'est-ce que vous voyez? Ce segment de droite, ici, forme un angle qui ne changera plus par rapport au bord de la figure, donc par rapport à un référentiel externe, ne changera plus jusqu'à la fin. C'est la stratégie que je vous ai décrite brièvement et sommairement pour les joueurs de baseball. Que fait la chauve-souris? Elle ne perçoit pas l'accélération, elle ne perçoit pas la vitesse. Tout ce qu'elle essaie de maintenir, c'est cet angle, l'angle de ce segment entre sa tête et l'insecte constant. Et si elle fait ça, alors, fatalement, comme dirait l'autre, elle va intercepter la cible. Il n'y a pas d'autre solution, c'est une stratégie tout à fait économique et qui permet de réaliser cette tâche dans un minimum de temps. Et c'est exactement ce qui était proposé par les auteurs dans le cas du baseball. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une stratégie géométrique qui permet de réaliser un but qui est spatial et temporel. Pour autant, dans cette stratégie géométrique, il n'y a ni dérivée, ni vitesse, ni accélération, ni le temps. Il y a juste un angle géométrique. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que parmi toutes les variables possibles que peut percevoir le joueur de baseball ou la chauve-souris, il y en a certaines qui sont faciles à percevoir quand on est doté de certains systèmes de perception et de certains systèmes nerveux, et d'autres qui ne sont pas possibles de voir et de percevoir et d'utiliser. Se pose donc la question, avec l'apprentissage, de la découverte des bonnes variables perceptives, géométriques, cinématiques, force, temps, autre chose, distance, différents angles, quelles sont les variables que je dois utiliser, que je peux utiliser pour réguler mon mouvement, pour exécuter la tâche. Donc je vous ai résumé ceci ici, j'ai rajouté deux diapos par rapport aux diapositives qui sont déposées sur le NT, donc ces diapos-là ne sont pas sur le NT. La question qui se pose, c'est, dans cet invariant numéro 3, c'est la question de quelle est l'information qui est effectivement perçue et qui est utilisée. Au début de l'apprentissage, un individu ne sait pas, c'est inconscient, d'ailleurs, petite parenthèse, tous ces phénomènes-là ne sont pas forcément conscients, sont pour une large part inconscients, on n'a pas conscience de percevoir tel angle ou tel autre, on essaie, par essai erreur, un jour on y arrive, on ne sait pas trop pourquoi, on arrive à attraper les balles, on arrive à les lancer, on arrive à intercepter une balle de baseball, etc. etc. C'est pas forcément conscient, on ne sait pas trop ce qui se passe. On le fait, on fait attention, on est concentré, on regarde la balle, mais on ne sait pas ce qu'utilise concrètement notre système nerveux pour réguler notre comportement.
Hein, petite parenthèse. Donc la question, c'est quelle est l'information qui est découverte par essai-erreur, par l'apprentissage? Est-ce que c'est une information de position? Et si c'est une position par rapport à quel référentiel? Un référentiel centré sur la balle, qui est mobile, qui se déplace, un référentiel centré sur un défenseur, un référentiel centré sur mon déplacement, un référentiel centré sur le sol. Est-ce que c'est une distance entre deux points, A et B, par exemple entre mon stylo pendant sa trajectoire et le centre de la cible de Fitz, entre le défenseur et ma position sur le terrain de foot? Ce sont des distances. Est-ce que ce sont des vitesses, ce que je perçois, des différences de vitesse, ma vitesse, la vitesse de la balle? Est-ce que ce sont des accélérations que je perçois? Ça, on a vu que c'était pas facile pour un être humain. Est-ce que c'est le temps qu'il reste avant? Avant quoi? Avant l'impact sur le sol? Avant la pose du dernier appui devant la planche en son longueur? Avant une réception en parcours? Avant la saisie d'un objet ou la frappe d'une balle? Le temps qu'il reste? Le temps qu'il reste, ça va être la distance qui reste à accomplir divisé par la vitesse, ça nous donne du temps. C'est une variable très, très utilisée en neurosciences. Voilà, donc, quelle variable? Bon, ben, ce choix de variable parmi toutes les variables possibles, il y en a un très, très grand nombre disponible dans l'environnement. Eh bien, par essai-erreur, l'être humain va choisir pour une tâche donnée, pour un mouvement donné, une variable ou une autre, et qui vont être efficaces. Voilà. Alors, je vous ai ici résumé ce que je vous ai raconté sur l'accélération, le travail sur les joueurs de baseball et le travail sur les chauves-souris. Eh bien, il s'agit juste de percevoir un angle et de maintenir cet angle invariant dans le temps. Donc, quand on dit dans le temps, c'est on met souvent le T qui représente le temps entre parenthèses. Donc, cet angle doit être maintenu invariant dans le temps jusqu'à l'achèvement de l'action et ça permettra une réussite, donc une interception. Alors, pour résumer, donc ça fait écho à des choses que vous avez déjà vues, je pense, au premier semestre. Je suis un être humain qui perçoit. Hein, perçoit. Je perçois. Alors là, j'ai représenté ça comme un triangle, hein, comme la vue, mais je perçois aussi avec les autres sens, vestibulaire, proprioception, toucher, pas seulement la vision, l'audition aussi. Je perçois quoi? Eh bien, je perçois ma propre coordination du mouvement. Hein, j'ai eu un sens proprioceptif, donc je perçois ma coordination. Et je perçois cette coordination par rapport à l'environnement, dans le monde, par rapport à un objet, par rapport à une table, par rapport à une cible, par rapport à un partenaire, par rapport à un adversaire, par rapport à une balle. C'est ça que je perçois. Je perçois des relations. C'est très important. Et comment je réalise ça? Eh bien, je fais des tentatives d'action et je perçois ce qui est en train de se passer. Et je refais une nouvelle tentative d'action. Je perçois le résultat. Je refais une autre tentative d'action. Je perçois le résultat, etc., etc. Jusqu'à trouver les bonnes solutions et renforcer ces solutions. Ce renforcement, il est basé sur la plasticité synaptique, hein, qui maintient des réseaux de neurones de plus en plus stables et de plus en plus solides en mémoire que je peux réutiliser le lendemain, un mois après, etc. Donc, je perçois quoi? Mon mouvement et le monde. Je bouge, hein, j'effectue une coordination que je perçois elle aussi, hein, ça fait partie de la perception proprioceptive, et je réalise ces boucles d'essai-erreur, et petit à petit, je trouve, comme c'est indiqué plus bas, je trouve les bonnes relations entre l'environnement, le monde, et ma coordination qui me permettent de réussir la tâche. Donc, l'apprentissage, à quoi il sert? Il sert à structurer, découvrir à la fois ma bonne coordination, comment bouger mes segments les uns par rapport aux autres, comment gérer la redondance articulaire, structurer donc cette coordination et la relation entre cette coordination et l'environnement, la bonne variable d'environnement. Comment courir tout en percevant l'angle pertinent pour intercepter la balle sur un terrain de baseball. Donc ça, c'est un résumé un petit peu du contrôle moteur. C'est très, très, très important. Alors, un autre exemple ici, toujours dans cet invariant, toujours le problème de l'information pour ajuster la coordination, pour réguler la coordination. Alors ici, le cas de figure, c'est un salto arrière. Donc, c'est une expérience qui a été menée par des collaborateurs, des chercheurs en sciences du mouvement humain qui étaient à Marseille. Bardi et Laurent, en 1998, ils ont mesuré, vous voyez ici, le mouvement dans le plan sagittal de plusieurs gymnastes, jeunes gymnastes de très bon niveau,
qui faisait un salto arrière. Alors un salto arrière, pour une très bonne gymnaste, c'est vraiment tout à fait simple, hein. C'est quelque chose que ces gymnastes font de façon routinière, sans réfléchir et sans faire d'erreur. Alors on a différents marqueurs sur le corps des gymnastes qui permettent de calculer des angles segmentaires, donc des angles entre différentes parties du corps. On le voit ici, un angle au niveau du genou, dans le plan sagittal, hein, donc. Un angle au niveau de la... Donc l'angle au niveau du genou, c'est alpha. Un angle au niveau des hanches. Hein, je peux fléchir, faire des flexions-extensions au niveau des hanches, c'est l'angle bêta. Et un angle de l'ensemble du corps, hein, par rapport à un référentiel fixe, par exemple le sol. Et c'est l'angle qui est noté ici, gamma. Hein, cette espèce de croix verticale qui est gamma. Ici, sur ce diagramme, sur la droite, on a représenté en fonction du temps, donc l'axe horizontal qui n'est pas noté ici, c'est le temps. Donc on a représenté en fonction du temps ces trois angles. En vert, l'angle que forme le corps avec la verticale. En rouge, l'angle de fermeture tronc-cuisse, bêta. Et en bleu, l'angle de fermeture cuisse-jambe, donc au niveau du genou, l'angle alpha. Donc en fonction du temps, et on les a tracés en couleur, et on a tracé ici pour une même personne, une même gymnaste, une quinzaine de saltos consécutifs, hein, qui ont été enregistrés les uns après les autres. Donc l'action démarre ici, pour tout le monde, le T0 est ici, pour tous les essais. Et puis ensuite, il y a le salto qui se déroule, hein, donc c'est quelque chose qui dure, qui est très très court, hein, qui ne dure même pas une seconde, hein, c'est très court, un salto. Vous voyez en vert ici la rotation complète du corps. On part d'une position verticale, une rotation complète et on revient vers la position verticale. Alors par convention ici, on note la position initiale moins 360 degrés et la position finale 0 degré, mais ça revient. 360, ça veut dire 0 degré, donc on revient à la position verticale initiale. Donc l'athlète, la gymnaste a fait un tour complet. Donc on voit cet angle du corps. Donc bon, ok, ça nous explique ce que fait l'athlète, la gymnaste. Mais ça ne nous apprend pas grand-chose. Si on regarde l'angle tronc-cuisse et l'angle cuisse-jambe, donc au niveau du genou, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit vers la fin du mouvement que les différentes trajectoires, hein, je vous répète, ces différents saltos qui ont été mesurés les uns après les autres, une dizaine, une quinzaine de saltos avec du repos, hein, pour pas avoir d'effet de la fatigue. Et on voit que vers la fin du mouvement, eh bien, ces différentes trajectoires ne se superposent plus exactement. Alors qu'au début du mouvement, les trajectoires se superposent quasi identiquement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un salto au salto suivant, le début du mouvement n'est pas forcément toujours exactement le même. La gymnaste ne pousse pas avec exactement le même angle pour décoller, et pas avec la même force, donc avec la même accélération, deuxième loi de Newton, force égale masse multipliée par l'accélération, et donc la trajectoire de décollage au tout début, elles sont similaires les unes avec les autres, mais il y a des petites différences. Et ces petites différences vont s'accumuler pendant la rotation, et si la gymnaste a un comportement totalement stéréotypé, alors elle n'atterrira pas bien. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien elle perçoit une information, et elle régule à la fin du mouvement, de manière à compenser ces petites différences qui avaient lieu au tout début du mouvement. Sinon, eh bien, elle va se faire une entorse à la cheville, ou se casser des orteils, ou se faire mal, et accumuler des chocs importants et se faire des blessures de fatigue, etc., etc. Donc elle va réguler. Elle va réguler comment? Eh bien, elle va réguler parce qu'en salto arrière, c'est particulièrement facile. Quand vous vous retrouvez dans cette position, ici, la tête en bas, eh bien, il est très facile d'avoir une information visuelle sur le sol. Cette information visuelle va vous dire quoi? Elle va vous dire à quel moment vous en êtes de votre cycle de rotation. Elle va vous dire si vous êtes trop haut, si vous êtes trop bas, si vous êtes en avance ou si vous êtes en retard par rapport à la distance qu'il reste avant le contact sur le sol. Donc vous allez avoir une information sur le temps qu'il reste pour finir votre salto. Hein, c'est la distance que divise, enfin, c'est la distance qui divise la vitesse, hein, qui vous donne le temps. Donc vous avez une distance par rapport au sol, vous avez une certaine vitesse de chute par rapport au sol, et votre système nerveux peut avoir accès à un temps qu'il reste. Et sur la base du temps restant, c'est ce qui est ici, que fait la gymnaste? Eh bien la gymnaste, elle va fermer un peu plus ou un peu moins l'angle tronc-cuisse, et fermer un peu plus ou un peu moins l'angle cuisse-jambe, alpha et bêta. C'est-à-dire ouvrir ou fermer ses segments articulaires. Pourquoi elle fait ça? Eh bien, parce qu'il y a une propriété mécanique fondamentale qui s'appelle la conservation du moment angulaire. La conservation du moment angulaire, c'est la conservation
de la quantité de mouvement en rotation. Hein, vous voyez ces figures en patinage artistique. La patineuse ou le patineur commence à tourner sur lui-même sur la glace, et quand il ouvre les bras, sa rotation ralentit. Quand il ferme les bras, sa rotation accélère. Donc la vitesse angulaire augmente ou diminue en fonction de s'il augmente ou pas, ce qu'on appelle le moment d'inertie, l'éloignement des masses par rapport à l'axe de rotation. Si vous ne connaissez pas la conservation du moment angulaire, le moment d'inertie et la vitesse de rotation, ça constitue pour vous un petit travail sur Internet personnel pour aller comprendre ces notions. Donc je répète, conservation du moment angulaire, qu'on appelle aussi le moment cinétique, moment d'inertie, c'est l'éloignement des masses par rapport à l'axe de rotation, et vitesse angulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si la gymnaste reste très groupée, elle va tourner vite. Si elle dégroupe, elle éloigne des masses de l'axe de rotation qui se situe au niveau de son centre des masses, alors elle va ralentir la rotation. Et c'est exactement ce qu'elle fait, de manière à atterrir d'une bonne façon sur le sol. Et c'est pour ça que d'une trajectoire à l'autre, on n'a pas exactement les mêmes tracés d'angle articulaire en fonction du temps, puisqu'il y a des petites variations, toutes petites, très faibles au moment du décollage, qui s'accumulent, dont l'importance s'accumule, et qui demande une régulation finale, une régulation en termes de vitesse de rotation. Si j'ai le temps, eh bien je vais commencer à ouvrir et je vais tourner lentement pour me retrouver sur les pieds. Et si je n'ai pas le temps et que je suis en retard, je n'ai pas sauté assez haut et pas avec la bonne direction, eh bien je vais rester groupé un tout petit peu plus longtemps, de manière à me retrouver à la verticale, quasiment à la verticale, pour une bonne réception. Pour me retrouver dans cette situation ici-là. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par apprentissage, essai, erreur, encore une fois, la gymnaste a trouvé les bonnes informations et les bonnes manières de réguler sa coordination, son mouvement, pour réussir son but. Pour faire ça, elle est capable de percevoir le temps qu'il reste avant le contact dès qu'elle a la tête en bas et une vision du sol. Elle est capable d'utiliser des propriétés mécaniques, donc je répète, la conservation du moment angulaire, de manière à accélérer ou freiner la rotation. Et comment elle freine ou elle accélère la rotation? En ouvrant ou en fermant, plus ou moins, des angles articulaires au niveau des hanches et au niveau du genou. Voilà, tout ça, c'est le fruit d'un apprentissage. On voit bien qu'il y a, d'un côté, perception des bonnes quantités qui permettent de réguler le mouvement, notamment savoir le temps qu'il reste, et identification, découverte par apprentissage de comment régler sa coordination de manière à obtenir le résultat qui consiste à faire un tour complet et à atterrir sans se faire mal. Voilà, donc tous ces éléments ont été trouvés par essai-erreur. Invariant numéro 4 maintenant, la synchronisation. Alors, on pourrait parler de synchronisation dans plein de mouvements différents, un service en tennis, en volleyball, synchronisation entre joueurs sur un terrain de sport, synchronisation entre les mouvements articulaires chez un nageur. Et là, je vais vous montrer une illustration qui est assez sympathique. C'est la synchronisation entre un cavalier expert et son cheval. Donc, il s'agit ici d'une coordination temporelle. Hein, quand on dit coordination temporelle, c'est que le facteur temps est important. Et essentiellement, on va parler du timing, c'est-à-dire les relations temporelles. Est-ce que je suis en avance ou est-ce que je suis en retard? Donc, est-ce que le cavalier est en avance ou en retard par rapport à son cheval? Alors ça, on sait que c'est très important pour gagner des courses, et qu'il y a différents types de comportements de jockey pour gagner des courses. Ça a fait l'objet d'un article dans Science en 2009. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur cet aspect, mais c'était ici une comparaison entre des façons de courir dans le passé. On avait accès à des films cinématographiques ou vidéo, enfin c'était pas la vidéo à l'époque, analogique, et des films vidéo d'aujourd'hui, et les auteurs ont comparé les différentes stratégies de mouvement des jockeys, des cavaliers. Donc on va pas parler de ça, on va parler de choses plus simples, on va parler d'un trot, et d'un trot réalisé pendant le dressage. Alors ici on a des images de quelqu'un qui était célèbre au 19e siècle pour avoir filmé des animaux et des humains, et décomposer les mouvements de ces espèces, différentes espèces. Et ici, on a une image, des images successives du trot. Donc, le trot, on l'avait vu pour le chat, hein, c'est quand la patte ici avant gauche est synchronisée avec la patte arrière
droite. Hein, donc c'est les diagonales de pattes. La patte avant droite, elle, est synchronisée avec la patte arrière gauche, donc du côté opposé. Hein. Vous voyez que il y a une diagonale où les pattes sont posées sur le sol et l'autre diagonale gauche-droite où les pattes sont en l'air. Donc c'est ça, ça c'est le trot, ce qui caractérise le trot. Donc on a posé des marqueurs sur un cheval et sur un cavalier. Alors c'était un cheval de très haut niveau qui était utilisé pour des compétitions de niveau olympique en dressage et on avait des cavaliers experts, donc de niveau international, hein, niveau Coupe du Monde, très très haut niveau. C'était fait, c'est une étude qui a été réalisée en collaboration avec l'école vétérinaire de Vienne, une grande nation de dressage et d'équitation. Et il y avait donc deux niveaux de cavaliers, niveau expert, très haut niveau, et un niveau intermédiaire. Donc il y a différents marqueurs, hein, donc ici c'est noté en anglais, sur la tête, sur l'épaule, sur le coude, sur le poignet, sur la hanche, sur le genou, sur le talon et sur la pointe du pied. Et puis aussi, on a mis des marqueurs sur le sacrum du cheval, deux, sur la tête, et puis sur une patte avant et une patte arrière. À différentes articulations. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, ici, c'est les déplacements de ces différents marqueurs pendant une tâche de dressage de trot assis. Pardon. Ici, en haut, on a les enregistrements pour le corps du cavalier et en bas, en jaune, les enregistrements pour le corps du cheval. En vert, on a le non-expert et les enregistrements du cheval correspondant. Et en rouge, on a un exemplaire d'enregistrement de l'expert, et en jaune en dessous aussi, les mouvements du cheval correspondant. Donc vous voyez ici toutes les oscillations qui correspondent à des cycles de locomotion du cheval pour le cavalier intermédiaire et le cavalier expert. Ici, vous voyez une isolation d'un seul cycle, donc on a pris un cycle. Ici, on a pris les enregistrements épaule, coude, poignet. Donc, je suis allé chercher ici trois tracés et je vous les ai mis en zoom ici. Et en dessous, on a les enregistrements du cheval. Donc, vous avez d'abord les mêmes oscillations quasiment que pour le cavalier. Eh bien, c'est le sacrum et la tête. Et en dessous, vous avez des oscillations beaucoup plus grandes et beaucoup plus lentes. Donc, il y a une durée entre deux pics qui est beaucoup plus grande. Et ça correspond au mouvement des membres inférieurs. Alors qu'est-ce qu'on constate pour résumer ? Eh bien, on le voit ici avec ces trois tracés épaule, coude, poignet, épaule, coude, poignet, pour le niveau intermédiaire et pour le niveau expert. Et de nouveau, on a épaule, coude, poignet. Donc, on a une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne cinématique, trois articulations successives. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, chez l'expert, au niveau timing, eh bien, le minimum et les maxima, maximum ici, ici et minimum ici, sont atteints en même temps pour les trois articulations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une synchronisation quasi parfaite du haut du corps. Par contre, pour le niveau intermédiaire, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a un léger retard du coude par rapport à l'épaule et du poignet par rapport au coude. Et donc, on a une vague, on a une onde, avec un retard, le mouvement n'est pas parfaitement synchronisé. Et on voit le décalage entre le minimum ici, ici et ici. Vous voyez, imaginez sur l'axe horizontal, vous avez le temps. Je vous ai mis ici 500 millisecondes comme échelle. La longueur de ce segment indique 500 millisecondes. Et Z indique que nous sommes bien sur l'enregistrement vertical de ces marques. Pourquoi vertical ? Parce que c'est là où se passe l'essentiel des choses, puisqu'on est en train de lutter en permanence contre la gravité. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien parce que dans la main du cavalier, donc à peu près au niveau du poignet, à proximité du poignet, vous avez la reine, les rênes. Et les rênes, c'est ce qui relie le cavalier au cheval, notamment. Hein, il y a aussi la selle et les jambes et les étriers. Mais le cheval, la bouche du cheval est extrêmement sensible. Et donc, le cheval va percevoir ici un mouvement au niveau de sa bouche, hein, causé par une force qui va s'imprimer sur sa bouche, causée par les rênes, un peu en retard par rapport à son propre mouvement à lui. Il y a un décalage temporel à cause de ce décalage de coordination entre les articulations du bras. Par contre, chez le cavalier expert, il n'y a aucun décalage, ou quasiment pas. Hein. Les mouvements de la main et donc du mort dans la bouche du cheval, ça s'appelle le mort, sont quasiment synchronisés. Alors, on effectue d'autres mesures. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai pu
prendre tous les essais des experts, tous les essais du niveau intermédiaire et résumer la coordination entre un marqueur sur le sacrum du cheval et le marqueur sur la tête, sur l'épaule, sur le coude, le poignet, les hanches, le genou, le talon et la pointe du pied du cavalier dans un cas et dans l'autre cas. Vous voyez ici le 0 veut dire synchronisation parfaite et vous voyez ici chez non-expert qu'il y a un décalage par rapport à 0, de plus en plus grand quand je vais de la tête jusqu'au poignet, hein, c'est ce qu'on voyait précédemment, donc il y a ce décalage dans le temps. Et ce décalage existe aussi pour l'expert, mais il est beaucoup plus faible et il se propage de façon beaucoup moins importante entre la tête et le poignet que chez le non-expert. On a aussi un deuxième aspect qui est représenté ici. Cette fois, il ne s'agit pas de la moyenne du décalage temporel, pour résumer, c'est cette variable du haut, mais il s'agit de sa variance, ou si vous préférez son écart-type, qui est une quantification de la variabilité. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une grande variabilité chez le non-expert d'un essai à l'autre, alors que chez l'expert, on voit une variabilité beaucoup plus faible. Donc le comportement de l'expert, non seulement il est mieux synchronisé en moyenne, il y a un décalage temporel beaucoup plus petit entre la main et le mouvement du cheval, hein, du sacrum, et non seulement ça, mais aussi d'un essai à l'autre, ce décalage est reproduit quasiment à l'identique, il est beaucoup plus régulier. Donc voilà un exemple ici de coordination d'ensemble du corps du cavalier grâce à l'expertise. Et attention, le non-expert ici, c'est quelqu'un qui pratique plusieurs fois par semaine. Ce n'est pas du tout un débutant, c'est quelqu'un qui a des années d'expérience, mais qui n'a pas un niveau extraordinaire. D'accord ? Alors que l'expert a un niveau, je vous dis, international, niveau olympique. C'est quelqu'un qui avait participé ou qui était en sélection nationale pour participer à des Jeux olympiques. Donc là, on a affaire à une expertise de très très haut niveau. Il n'est pas du tout évident sur un cheval, même si c'est un cheval qui est extrêmement dressé et auquel on est très habitué, il n'est pas évident du tout d'être capable de synchroniser l'ensemble de son corps avec le mouvement du cheval. C'est quelque chose qui s'acquiert avec des heures et des heures et des heures d'entraînement et un talent au-delà de la norme qui caractérise le sport de très haut niveau. Voilà. Donc je vais arrêter pour cette séquence et je vais mettre ce film là encore sur YouTube.